Quel est le périmètre de cette forme Chaque carré de la grille est un carré de 1 par 1. Pour ce faire, il suffit d'additionner les longueurs de ces segments en bleu. Tu peux commencer par exemple par ce point là-haut. Il faut bien faire attention de s'arrêter là où on a commencé pour ne pas compter deux fois une longueur. Donc ce périmètre fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc le périmètre de cette forme est 24, 24 cm de long. Un autre moyen aurait été de regarder la longueur de chacun de ses côtés. Tu as 1, plus 2, plus 3, plus 1, plus 3, plus 1, plus 5, plus 2, plus 4, plus 2, et tu aurais aussi obtenu 24 cm. Exercice suivant. Quel est le périmètre du carré Une fois encore, c'est la longueur des segments qui définissent les limites extérieures du carré. Par définition, tous les côtés d'un carré sont égaux. Donc tu as 4 côtés de 7 mètres de long. Tu peux donc dire que le périmètre est de 7 mètres plus 7 mètres plus 7 mètres plus 7 mètres. Ou tu peux dire qu'il est de 4 fois 7 mètres, c'est-à-dire 28 mètres. Un petit dernier. Quel est le périmètre de ce pentagone régulier Étant donné que c'est un pentagone régulier, tous ces côtés ont la même longueur. Or, on te dit que ce côté fait 2 unités de long, donc tous les côtés font 2 unités de long. Ça va donc te faire 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, autrement dit 5 2, c'est-à-dire 5 fois 2, soit 10 unités. Tu as 5 côtés à un pentagone, chaque côté fait 2 unités de long, donc 2 unités fois 5 côtés donne un périmètre de 10 unités.